Alors là, ici, on vient d'arriver dans le temple bleu, qui est assez incroyable, avec ce grand Bouddha. Et surtout, regardez un peu le plafond. Enfin, vous les avez vus dans les plans, mais c'est assez incroyable au niveau des peintures. Et puis il y a vraiment une sérénité ici, un peu comme dans tous les temples, donc c'est assez unique hein, que je puisse vous partager tout ça. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de me prendre un fou rire parce que je viens de me prendre la baie vitrée là, juste là. Putain, la vraie blonde quoi, je suis arrivée... Je pensais que c'était ouvert en fait, c'est toujours ouvert d'habitude. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je vous embarque dans cette journée, donc on est à Chiang Rai toujours. Là on va aller visiter des temples, donc vous verrez, hier on a visité le temple bleu, aujourd'hui on va aller visiter aussi le temple blanc. On va pas mal travailler, donc avec Amina et Brenner on va tourner des vidéos ensemble, donc vous pourrez les retrouver sur nos chaînes respectives. Et puis voilà, c'est notre dernière journée à Chiang Rai puisque à la base on devait rester une semaine ici, mais voilà, on se sent pas super bien ici à Chiang Rai et donc on sera de retour à Chiang Mai finalement, donc on repart demain matin, donc beaucoup plus tôt que prévu, mais c'est très bien comme ça, tout est parfait et on se laisse porter par ce voyage rempli d'imprévus. Avec Brenda on a trouvé un endroit pour prendre un petit déj, je ne sais pas si vous m'entendez parce que oh là là, c'est vachement bruyant ici. Oh. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon alors, t'as choisi? Ouais. Tu vas prendre quoi? Les pancakes à la banane et miel. Yeah. Alors ici on a le menu. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal de choix encore. C'est assez sympa. Je crois que je vais prendre un Thai tea avec du lait de coco si ils ont. Il y a des smoothies. Bon ben voilà, hein, traditionnel bouffe thaï. On a aussi des petits déj un peu plus traditionnels. Donc voilà, il n'y a plus qu'à choisir. Et il y a des toasts à l'avocat avec un œuf. Bon, dommage, il y a du gluten, mais bon, ça a l'air sympa tout ça. Voilà donc un petit déjeuner salé évidemment pour moi. Donc j'ai pris du riz avec une omelette, il y a des petits légumes aussi. Ça va être pas mal du tout. Et alors ici on a un thé à la pêche, sauf qu'il y a blindé de sucre dedans, donc je crois que je ne peux pas tout boire. Il est vraiment super méga sucré. Brenda, elle a pris un banana pancake. Oh là là, ça a l'air trop bon. Mmh, avec un peu de miel. Des bons sucres. Ah. Mmh. Bon ben là les amis, on vient de vous tourner une super vidéo avec Brenda, enfin deux, on a fait une interview pour sa chaîne et une interview pour ma chaîne. Donc sur sa chaîne je reparle du programme Body Love et sur ma chaîne on va vraiment vous proposer une interview où on vous parle de, de s'aimer à être aimé. Donc pourquoi c'est important d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir être aimé, de pouvoir aimer les autres. Donc voilà, on a tourné ça ici. Et donc là on est dans l'auberge de jeunesse à Chiang Rai. Alors on a un super espace de travail, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien tout ça. Donc voilà, donc l'espace de travail est vraiment super. Après je ne sais pas si vous m'entendez parce que c'est vachement bruyant. Mais donc voilà, et puis on va vous tourner aussi une vidéo avec Amina, on sera à 3. On va vous parler des relations toxiques, etc. Pas mal de boulot aujourd'hui. Bon c'est parti, là on va manger avec Brenda. Bon on a trouvé notre petit boui-boui habituel hein. On mange notre plat pour 40 bahts, donc ce qui est équivalent à 1 euro. Donc voilà, c'est parti. On prend emporter pour aller manger avec Amina à l'auberge. Et là, on va faire 2-3 courses au célèbre 7-Eleven. On est devant un rayon hyper sain, 100% naturel. Mon Dieu, regardez-moi ça, c'est horrible. Donc ils ont plein de trucs bizarres, avec plein de colorants, d'additifs. Puis c'est bourré de sucre. Donc même tout ce qui est fruits secs en fait, même ça, ils mettent plein de sucre autour. Donc voilà, c'est vraiment... regardez. Je sais pas ce que c'est ce truc, mais ça donne pas très envie. Voilà, si vous voulez. Je pense que je vais manger ça ce midi, un petit sandwich. Donc voilà, c'est un peu particulier quand même. Comme ça vous voyez un petit peu... voilà, je sais pas, c'est horrible. On est un espèce de pain comme ça avec des haricots, une crème de haricots rouges dedans. Bon voilà, on a été chercher à manger, donc on a emporté, comme ça on peut manger avec Amina parce qu'on mange pas toujours la même chose. Donc ici, Brenda elle a pris un pad thaï, comme d'hab, hein, avec des légumes, il y a du tofu, des petites cacahuètes. Et puis ici, moi j'ai pris du riz avec un petit peu de porc, il y a un œuf, des petits légumes. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais plus mangé de riz. Donc... Et là regardez un peu ici, donc ils mettent, c'est vraiment dégueulasse, mais bon c'est comme ça. Ils mettent des sachets toujours avec des épices. Et là on a du sucre. Donc ils mettent, en fait vraiment, ils rajoutent du sucre blanc partout. Et ils en distribuent. Donc. Et puis là on a une espèce d'huile avec des choses non identifiées dedans. Je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, moi je pense que... Ouais, c'est normal, écoute, c'est comme ça. Voilà, ben, bon app, hein. Bon appétit Brenda. Bon appétit. Bon, on va où les filles? Manger une glace, yeah. Donc on a trouvé un super marchand de glace qui nous fait des glaces à la noix de coco et au thé vert aussi, thé matcha. Donc là on va aller se régaler, on vous embarque, c'est parti. Ici en Thaïlande, il y a quelque chose de bien spécial, c'est qu'il y a des orchidées qui poussent partout, un peu comme des mauvaises herbes. Vous allez voir, je vais vous en montrer d'autres tout de suite. Alors que chez nous, ça coûte super cher. Donc voilà, elles sont super, vraiment. Ouais. Donc voilà, voilà les orchidées ici. Regardez ça. C'est super beau, il y en a plein. Oh là là. Ah ouais, donc on arrive ici pour la glace coco. Donc c'est vraiment, en fait, c'est pas du tout connu, c'est dans une petite rue et en fait ils ont vraiment leur spécialité, c'est uniquement la glace coco et au thé vert, ils font rien d'autre. Alors vous allez voir qu'on peut mettre des choses un peu bizarres dedans aussi, mais bon, c'est typiquement thaï. Ça c'est du pain, tapioca. Tapioca, ouais. Donc voilà, tout ça c'est ce que vous pouvez mettre dans la glace, mais bon, je pense qu'on va se limiter aux cacahuètes. Hein. Ouh, c'est bizarre ça. Et là ici c'est de la patate douce. Et voilà la fameuse glace à la noix de coco avec un petit peu de cacahuète sur le dessus. Enfin, franchement c'est une tuerie. Et vous les filles, vous avez pris quoi alors? Une thé matcha et une coco. Et tout, il y a des trucs bizarres là dans le... Non, c'est des haricots noirs. Haricots noirs. Ça va, c'est bon? Ouais, j'adore. Trop bon. Là, comme je vous ai dit, on est au temple blanc. Je peux pas, évidemment, devant ce temple glacé, ne pas chanter « Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais ». Je comptais vraiment vous tourner une petite vidéo, enfin vous parler un petit peu d'un sujet aussi, hein, pendant les vlogs. C'est bien de vous faire voyager, mais c'est bien aussi de partager un sujet. Et aujourd'hui, bon, je vais y arriver avec le micro. En fait, on est un peu pressé dans le temps parce qu'on a appris qu'il allait bientôt fermer, mais bon, c'est pas grave. Cool, je fais ma vidéo à mon aise. Donc, je voulais vous parler un petit peu ici, vous donner trois solutions pour rester serein en toutes circonstances, en tout cas, garder cette sérénité au fond de vous, parce que très souvent, vous allez voir que il y a, donc je vais vous proposer trois solutions, mais très souvent, on utilise une quatrième que tout le monde fait. Tout le monde fait pas cette erreur, mais c'est une habitude qu'on a prise. Et en fait, ça, je l'ai appris grâce à mon accompagnement en Festen. Donc, vous savez peut-être pas, mais moi aussi, je me fais accompagner pour... voilà, je travaille sur une libération des blessures. Alors, je vous ferai une vidéo à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Je parlerai de ça beaucoup plus en détail. Donc, cette méthode m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et surtout cette clé que je voulais vraiment vous partager. Alors, en fait, quand on a, par exemple, on est dans une situation qui est désagréable, qui est agaçante, il y a 3 solutions qu'on devrait utiliser. Alors, la première solution, donc, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, je ne sais pas, votre voisin, je donne un bête exemple, hein, mais votre voisin... est en train de tondre sa pelouse, enfin tous les dimanches, il tond sa pelouse et vous n'en pouvez plus parce que, alors je ne sais pas en France, mais en Belgique en tout cas, normalement c'est pas autorisé de tondre sa pelouse le dimanche et vous êtes très agacé. Alors vous avez 3 solutions. La première solution, c'est d'accepter, simplement d'accepter. Ok, il tond sa pelouse le dimanche, c'est ok, j'accepte. Là, vous libérez votre émotion, les nœuds émotionnels qui sont bloqués. Et vous allez vous libérer, ce qui va vous permettre de passer à autre chose, de pouvoir continuer à vivre et arrêter de penser à ce qui vous ennuie. La deuxième solution, c'est d'améliorer. Donc d'améliorer, de trouver une solution pour améliorer. Donc ce que vous pourriez faire dans ce cas, c'est aller voir votre voisin et lui expliquer simplement ce que vous ressentez, que ça, voilà, ça vous embête qu'il tonde sa pelouse le dimanche. Et voilà, en tout cas d'améliorer cette situation, de poser une action pour pouvoir améliorer. Et puis la troisième solution, alors là, ça va plutôt être de quitter. Donc de quitter la problématique. Donc dans ce cas, par exemple, se dire ben, le dimanche, si ça m'agace autant, eh bien je n'ai qu'à... il faut que je vous montre, c'est super beau. Fais une petite pause. Voilà. Ah, c'est magnifique, hein. Donc je disais, la troisième solution, c'est de quitter. Donc de vous dire, ben voilà, le dimanche, eh bien, je sais que ça m'agace cette situation, eh bien je quitte. Donc je vais par exemple me promener pendant 2 heures et comme ça j'arrête d'être agacée par cette situation et toutes ces émotions négatives que je peux entretenir. Donc là je vous ai donné ces 3 solutions. Donc je répète, soit j'accepte la situation, soit j'améliore, soit je quitte. Donc évidemment ça s'applique à tout. Vous avez peut-être un problème dans votre relation avec votre partenaire, eh bien vous pouvez pareil. Soit je choisis d'accepter qu'il est comme ça, accepter un défaut, quelque chose qui m'agace chez lui. Soit je peux en discuter avec lui en améliorant. Je peux améliorer en discutant avec lui, en trouvant des solutions, un compromis, etc. Ou je quitte. Voilà, enfin, c'est un peu catégorique ce que je vous dis là, mais en tout cas, voilà, ces 3 solutions vont vous permettre de libérer les nœuds émotionnels qui restent bloqués en vous. Parce que nous, on n'utilise aucune de ces 3 solutions en général. On va en utiliser une 4e, qui est de se plaindre. On se plaint tout le temps et on entretient le problème et on entretient ses émotions et du coup j'essaie de vous avoir la belle vue derrière du temple, voilà, et du coup en fait on rumine et on entretient ces mauvaises émotions, ces énergies en tout cas qui sont négatives, qui sont bloquées en nous, et alors voilà, on adore répandre un peu son venin autour de nous, on va se plaindre auprès, on va appeler sa meilleure amie, on va en parler à tout le monde, à ses collègues, oh là là. Et bien là, vous entretenez et vous entraînez ce stress aussi chronique à l'intérieur de vous. Donc je vous invite vraiment, quand il y a une situation qui vous dérange, qui vous agace, dans n'importe quelle expérience de vie aussi, c'est de vous dire, ok, au lieu d'entretenir, de ruminer, d'aller voilà, raconter votre vie à tout le monde, d'aller se plaindre, arrêtez ça tout de suite. Prenez conscience, posez de votre conscience dessus et choisissez ces 3 solutions. Acceptation, amélioration ou je quitte cette situation. Voilà, j'espère que ça va vous aider en tout cas, parce que moi ça m'a énormément aidé et voilà, c'est plaindre, ça ne vous avance à rien, d'accord, ça ne nous avance à rien de nous plaindre, ça fait qu'entretenir des mauvaises énergies, alors qu'on est là pour vivre dans des bonnes vibrations, dans des good vibes, donc voilà, il faut vraiment profiter. Ben, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je continue à vous embarquer ici dans le temple blanc, qui est absolument magnifique. Alors par contre, au niveau énergétique, c'est très touristique. Là, c'est le premier temple que je vois où c'est aussi touristique que ça. Du coup, j'avoue qu'il manque un truc. Genre, il y a un monsieur qui parle dans son microphone. Enfin, c'est un peu particulier. Mais bon, voilà, c'est quand même absolument incroyable et assez impressionnant. C'est ici qu'on se quitte avec un bon shake ici au lait de coco. Donc c'est du lait de coco, du chocolat et des noix de macadamia, genre l'extase. Donc elles ont bien voulu me le faire sans lactose, donc j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite balade ici à Chiang Rai, on ne s'entend plus. Et j'espère qu'on se retrouve très vite. Donc je ferai certainement un autre vlog à Chiang Mai. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et osez briller. À très vite.